Comment tu vis ce voyage? Qui aura le meilleur dos? Comment tu vis ce voyage? Ça fait que 20 minutes qu'on est là. Et toi, comment tu vis ce voyage? Interview. Ah, tu me fais une contre-interview. Voilà, c'est exact. Ben moi, je le vis bien. Moi aussi. C'est l'interview la plus longue qui ait jamais existé. La plus nulle, surtout. Bonjour. Alors la fabrique environnement, c'est une fabrique d'une vingtaine de jeunes. Issus de Marseille. Issus de Marseille. Et nous travaillons autour du thème général, l'environnement. Mais sur quoi travaillons-nous? Mais l'environnement, qu'est-ce que c'est? L'environnement, alors je sais pas, mais... Ainsi, chaque membre a un vécu différent, avec une expérience propre qui vient à la fois créer une synergie entre les membres et en même temps former une situation où chaque membre apprend des autres en permanence. Que vivent les jeunes, les enfants, les adolescents? Dans son propre cas ou dans celui d'un proche, un jeune peut se trouver concerné par le handicap. Notre volonté est donc de trouver un lien entre les jeunes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et cette cause. Et quelque part, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que vous puissiez picorer ce qu'il y a de mieux autour de vous, vous former de la meilleure manière possible pour fabriquer vous-même ce que vous avez en vous, votre force, votre puissance, votre savoir, vos qualités, vos défauts, les balayer les défauts, faire avancer vos qualités et faire en sorte que vous soyez heureux dans votre avenir. Heureux à titre personnel, heureux dans la société, heureux dans votre travail. Et ça, c'est l'avenir de la France. Et donc, c'est notre mission, c'est d'appuyer sur la jeunesse et l'aider à nous pousser dehors. Ce matin, on a discuté avec la directrice du bureau de Bruxelles pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'idée, c'était de pouvoir échanger sur les institutions européennes, la Commission européenne, le Parlement européen, qui fait quoi, comment ça fonctionne, d'où ça vient, pourquoi. Et je trouve que les échanges ont été plutôt sympathiques et instructifs. J'ai trouvé que c'était un bel échange, que toutes les questions qui étaient posées étaient hyper pertinentes. Que vous avez une bonne connaissance et en tout cas des questionnements tout à fait opportuns sur l'Europe, sur un certain nombre de sujets d'actualité. Bah, c'était une matinée très intéressante pour nous. Elle nous a bien expliqué les rôles du fonctionnement européen. Et du Parlement et des différentes institutions européennes. Donc c'était vraiment une matinée enrichissante pour l'ensemble du Parlement. La Commission européenne, le Conseil européen, le Parlement européen, qui finalement rythment notre vie, rythment
à l'aide de directives, de décisions. Les décisions qui sont prises au niveau national, elles sont aussi prises au niveau européen et il était important pour nous de savoir d'où elles viennent et comment elles sont prises.